pour Céline Dion, travailler en famille est primordial. René Angélil, qu'elle a connu à 13 ans, et qui a été son mari, était aussi son manager. Après sa mort, en 2016, la star s'attendait à ce que René Charles, son fils aîné, reprenne ce rôle, mais ça n'a pas été le cas. Selon sa biographe, Elisabeth Reynaud, Céline Dion a dû être très déçue de sentir que René Charles s'éloignait d'elle. Dans une interview accordée à Téléstar, parue ce 24 janvier, l'autrice de Céline Dion, icône et femme de cœur, a dévoilé ce qui, selon elle, est la cause de son mal-être actuel. La survie absolue de Céline, ce sont ses enfants. Mais René Charles n'a pas pris la suite de son père. Elle rêvait qu'il devienne son manager, mais il est, d'une part, trop jeune, et de l'autre, il sait quelle est l'exigence terrible de sa mère, a-t-elle expliqué. Il n'est pas prêt à donner sa vie pour la carrière de sa maman. Cet éloignement a été une raison de plus pour que l'interprète de J'irai où tu iras s'enfonce dans la dépression. Rongée depuis plusieurs mois par un mal mystérieux, Céline Dion a annulé l'ensemble des concerts qu'elle prévoyait de donner à la Vega et sa tournée américaine.